J'ai l'honneur à cet instant de vous présenter le programme d'aujourd'hui qui réunira 9 chefs de renom provenant de 9 restaurants thaïlandais au Maroc respectant l'authenticité de la cuisine thaïlandaise et étant les premiers candidats à être récompensés par le label officiel délivré par le ministère du Commerce thaïlandais, le Thai Select, qui est une précieuse distinction du gouvernement thaïlandais. Le chef Anan Sawasutham du restaurant Maison Moa Anan de la Bénédin de Fès. Il va vous préparer le Tom Yam Kung, la fameuse soupe aigre et piquante aux crevettes comme entrée, le Ken Kieu Wan Kai, ou le poulet au curry vert comme plat principal, et le Mok Yang Thua Deng, le flan thaïlandais aux haricots rouges comme dessert. La chef Sasithorn Kiosi du restaurant Eat Me à Marrakech qui va vous présenter le yam nua ou salade de bœuf grillé comme entrée, le serong hai ou le steak de bœuf à la sauce piquante comme plat principal et le kanyo momuang ou le riz gluant à la mangue comme dessert. Voilà. La chef Pachari Rat Puong Po du restaurant Tom Yam à Tanger. Elle va vous préparer le curry paf kai, ou chausson au poulet au curry, comme entrée, le kung pat pong curry, ou les crevettes tigrées sautées au curry jaune, comme plat, et le pirpun bai teuil, ou pudding de pandamus à la crème de noix de coco, comme dessert. Le chef Khalid Lombarki, du restaurant Safran à l'hôtel Banyan Tree Tamuda Bay Phnidek, il va vous préparer le yam kung, ou crevettes grillées, salsa de mangue, coriandre, menthe et namyam. Comme entrée, le plat samlot ou filet de loup de mer frit sauce sweet chili comme plat et le saku yen linchi ou le pudding du tapioca glacé linchi comme dessert. Merci. Démonstration de menu de dîner dégustation. La chef Chuliporn Potiracha du restaurant Bangkok Thai Wok Sushi de Rabat va vous préparer le kai saté ou poulet saté comme entrée, le masaman nua ou bœuf au masaman curry comme plat et le kuih bochi ou banane au lait de coco comme dessert. La chef Thongphan Pawakkanan du restaurant Thai Aroidi de Casablanca va vous préparer le kao lao nua ou la soupe au ragoût de bœuf comme entrée, le pad thai kung sot ou le pad thai aux crevettes comme plat et le bo loi khai wan, les boulettes de riz gluant au lait de coco et l'œuvre sucrée comme dessert. Le chef Manat Kong Chaya du restaurant Petit Thai de Marrakech va nous préparer le kanyo som tam kayang ou le riz gluant aux salades de papaye et poulet grillé comme entrée, le krapao nua ou le bœuf sauté au basilic comme plat et le wun polomai nakati ou le gelé aux fruits au lait de coco comme dessert.